La situation est un peu différente dans un département du territoire national, la Moselle. Et je le dis clairement, c'est une situation qui est plus inquiétante. Nous avons identifié dans ce département de la Moselle plus de 300 cas de mutations évocatrices de variants sud-africains et brésiliens ces 4 derniers jours. Et quand nous regardons en arrière, il y avait déjà 200 cas supplémentaires identifiés les jours précédents. Ces cas ne correspondent pas tous à des clusters. Les personnes malades n'ont pas nécessairement voyagé, n'ont pas nécessairement été en contact direct avec d'autres personnes ayant voyagé. Et nous faisons tout notre possible, évidemment, le maximum, pour tracer et isoler tous les patients, les cas contacts, et ainsi casser les chaînes de contamination. La Moselle, je le remarque, est aussi un département où l'incidence générale est plus élevée que la moyenne, et c'est d'ailleurs le département où l'incidence est plus élevée que dans le reste de la région Grand Est. Nous n'avons pas à ce stade d'explication à la diffusion de ces variants dans ce territoire particulier de notre pays. Nous étudions évidemment toutes les pistes, notamment la proximité géographique de pays frontaliers. Dans tous les cas, il nous faut être prêts à agir, évidemment, si la situation devait le nécessiter, afin de protéger la population dans un territoire qui a déjà payé un lourd tribut à la pandémie, je pense notamment à la première vague. Et nous devons aussi agir, évidemment, pour limiter au maximum les risques de diffusion de ces variants au reste du territoire national. Je me rendrai demain en Moselle pour évaluer sur place la situation, échanger avec l'ensemble des élus du territoire, les acteurs de santé, le préfet, les responsables de l'agence régionale de santé. J'y mènerai une concertation afin d'anticiper les réponses qu'il nous faudra trouver collectivement.